Bonjour et bienvenue, nouvel épisode Survie du Week-end. Donc on est en très bonne forme, on va boire un coup, on est en très bonne forme. Comme vous avez vu, j'ai déjà de l'équipement dans l'inventaire. Donc je suis tombé sur un hic. On doit passer une corde. Alors c'est pas très grave parce qu'honnêtement on peut porter 45 kilos et tout ça, c'est pas grave. On a deux cordes, donc j'ai décidé de... Pour l'instant les cordes c'était pas vraiment très intéressant, je vais être honnête. On va les laisser là et on va pas faire le reste. En fait, il y a très peu d'endroits. Il reste très peu d'endroits intéressants dans le Mont Timberwolf. Donc voilà, j'ai pas trop envie de passer du temps ici. Alors je pense que je vais laisser ça ici. Je pense que je vais laisser ça ici. Et sur nous, on va prendre donc un peu de thé, de café. Donc on a 10 cafés. On a 10 thé aussi. Enfin, tisane, pardon, tisane. J'ai aussi tué, comment ça s'appelle, un élan, je mettrai la petite vidéo, elle est marrante. J'ai fait des tirs de sniper, mon gars. Oh, c'était magnifique, Sardek. J'ai beaucoup aimé. J'ai tiré d'assez loin et je me suis pas loupé. Il y a juste une flèche que j'ai utilisée pour juger la distance. Mais après, j'ai fait des tirs de super loin et ça a touché. J'étais vraiment très content de ça et t'es assez fier de moi. Donc ouais. C'est pour ça que c'est bien de rester en fait dans l'ambiance de The Long Dark quand on fait du tir à l'arc. Comme ça, on perd pas la main en fait. Voilà. Donc en tout cas, vous avez vu la petite vidéo. Donc là, on a... Donc il reste des fûts de flèche, il reste des plumes. Alors ça, les trois livres que j'ai lus. Alors l'outil de qualité, on va pas le prendre sur nous. Parce que le problème, c'est que si on le prend, ça veut dire qu'on va devoir se le coltiner en fait. C'est ça qui est embêtant. Ici on a une scie à métaux à 56%, on en avait trouvé une qui était à 100%, donc on va utiliser celle-là qui est à 100%. On va prendre un nécessaire de couture, on va en laisser deux ici. Il me faut de l'eau. Ouais. On va en laisser deux ici. Là pour la trousse de secours. Ce qui est bien, ce serait bien de pouvoir crafter des trousses de secours comme ça. Honnêtement, sur le travois, je voudrais tellement pouvoir rajouter en fait des objets dessus, genre visibles, genre des trousses et tout ça, et genre on doit regarder les trousses. Enfin bref. On va pas parler de ça parce que sinon je vais être très déçu. Et du coup on va laisser ça. On va laisser un stimulant d'urgence. On va en prendre que deux sur nous. Parce que deux en fait c'est vachement pratique de se les planter l'un après l'autre. Ça nous permet de sprinter extrêmement longtemps et nous récupérer quand même assez de vie. Et surtout de rester éveillé par rapport au premier stimulant en fait. Enfin bref, c'est comme ça que je fais. 2, 2, 2, on a 5, 5, 5 et 6, 6, 6, mais on va les garder, on n'a pas besoin de le déposer, je sais pas pourquoi en fait, enfin si je pourrais le déposer, mais bon, il y en a déjà plein, donc c'est pas grave. Pour les amulettes, on laisse 2 stacks. Donc 22, les accélérants on s'en fout, la loupe, alors j'ai pris la loupe qui était en meilleur pourcentage, le fire steel aussi pareil. On va prendre tout ça d'allumettes, ça fait beaucoup, honnêtement ça fait un peu de poids hein, quand on y pense. Mais bon, on est toujours à 44 kilos on va dire, donc ça va, on a une corde à prendre hein, faut penser. Donc voilà, on va prendre ça, donc ça je pense qu'on va le manger. Donc les conserves, je pense qu'on va les manger. Honnêtement, on devrait même les manger maintenant. Comme ça, on dépose les conserves, en fait. Mais bon, maintenant, c'est trop tard. On est full. On va pas manger. J'ai utilisé la peau d'ours parce qu'elle a séché entre-temps. Donc, j'ai réparé le sac de couchage. Il était à 72-73%. Donc, maintenant, il est redevenu à 100%. Plus les pourcentages baissent et moins il protège du froid. Donc, pensez à ça. Donc, c'est important. Les vêtements, je les ai aussi réparés. Donc, voilà, on est très bon pourcentage. Il n'y a que ça. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, avec des boyaux. Ou alors du tissu. Maintenant que j'y pense, on peut peut-être prendre... Parce que les boyaux, en fait, sont... Il n'y a aucun boyau qui est... Ah, bah tiens. Un boyau séché. Un seul. Ah, merde. Ah, il n'y en a qu'un seul. Ah, bah attendez. On va peut-être pouvoir réparer des trucs. Alors, attendez. Est-ce que j'ai... Ok, j'ai ça. On va réparer des choses. Oh, fourrure de lapin séché. Normalement, on en a.
Là. On va prendre ça là et ça là. C'était juste ça qui me gênait, ben du coup. Voilà, du coup c'est fait. Alors, voilà, donc on va laisser en fait quand même pas mal de matos ici. Et on récupérera donc si jamais on doit. Si jamais on doit, on reviendra ici, on récupérera tout le reste. Donc voilà, je pense que c'est bien comme ça. Ça nous fera un petit endroit en fait de repos et tout ça. Et puis voilà. Bon, c'est parfait. Comme ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Donc ouais, on va tout simplement partir. Et on va donc revenir à la Vallée Charmante. Et à la Vallée Charmante, nous, on veut retourner au village. Vous vous rappelez le village où il y a plein de choses. Parce que je crois qu'on a quelque chose à fouiller là-bas. Je ne me rappelle plus exactement ce que c'est, je regarderai. Aussi, j'ai fait un inversement. Parce que je vous avais dit que le cache-oreille, en fait, était très très fragile. Du coup, en fait, ça c'est l'extérieur, en fait. Tout ce qui est genre à l'extrémité, en fait, du personnage, enfin non, à l'opposé du personnage, c'est la couche extérieure. C'est pour ça qu'on a mis, par exemple, les pantalons dans ce sens-là. Et en fait, si vous faites attaquer, le cache-oreille va prendre extrêmement cher. Comme j'ai dit, il a vraiment pas de défense et c'est la merde, et il va sûrement être déchiré. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est apparemment, c'est mettre la sacoche en premier. Et du coup, c'est la sacoche qui va prendre des dégâts. Et la sacoche, pour la réparer, il faut du cuir. Et nous, on en a déjà 5 de cuir. Et par contre, la sacoche est beaucoup plus résistante en fait que le cache-oreille. Donc du coup, on va mettre ça. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et je suis en train de me... Et par contre, oui, par contre, ça va pas protéger du vent. L'humidité non plus. Je crois, enfin l'humidité on le voit pas vraiment. Enfin l'étanchéité de toute façon on s'en fout un peu sur ça, sur les accessoires. Mais voilà, ça va pas, on va pas avoir la protection de vent. C'est juste ça la différence. Par contre, la défense est comptée. Voilà, vous voyez, on passe de 39 à 40. Donc la défense est comptée. Mais voilà, il n'y a que le vent qui n'est pas compté parce qu'il n'est pas sur la couche extérieure. Donc c'est pas très grave, c'est 0,5, c'est pas très très grave. Donc voilà, je pense que c'est bien pour protéger en fait notre cache-oreille. Voilà. On a 23 flèches en tout. On a encore des pots qui sèchent, des boyaux et tout ça. On s'en fout, on va pas les prendre. On a de la nourriture ici. On a donc une nouvelle scie. Donc la pierre, je l'ai utilisée hein, le plus possible pour réparer le couteau, la hachette, tout ça, pour les aiguiser. On a le nouvel arc qui est très bon. Les flèches, bon, vu que j'ai tiré plusieurs fois sur les machins, sur l'élan, du coup j'en ai certaines qui sont abîmées, enfin c'est pas grave. J'ai pris 10 fûts de flèches sur moi, comme ça on peut en réparer une dizaine déjà, si jamais on doit se poser quelque part. On a un pied de biche, on a le sac de couchage en peau d'ours qui est réparé, on a 5 de tissu parce que je ne peux pas en avoir plus, on a 5 cuirs séchés, il y en a encore 10 qui sont ici, qui sont entreposés, on a plein de nourriture qui est pas lourde, j'ai pris le plus intéressant, enfin ces trucs-là on va les manger en premier je pense, mais j'ai pris les trucs qui donnaient le plus de calories par rapport au poids, donc ça c'est important, les vêtements sont très bons. Le médecine, on est très bon. Allumette, on est très bon. Donc, on peut partir, tout simplement. On peut partir. Donc, voilà. Voilà. J'ai bah, rien d'autre à dire. Simplement. Donc, on va partir. Alors, on va faire poser ça là. On va prendre. Hop là, deux trucs comme ça, fais voir. Ah, j'aime pas ce bruit. On est à 43,94. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre à prendre? Il y aurait. Ouais, les outils de qualité. Moi, j'ai bien envie de le prendre, l'outil de qualité. C'est juste que. Je sais pas. Ah, ça passe, hein. Et on a la lampe, bien sûr, qui est pleine. Pas, non, pas qui est pleine, mais on a la lampe. Il reste encore un peu de fuel dedans.
Ouais, non, on peut partir comme ça avec l'outil de qualité. Les outils de qualité, c'est rare. Déjà, les boîtes à outils normales, c'est rare. Alors, les rouges, c'est encore plus rare. Les fusées, on n'en a pas vraiment besoin. Ouais, let's go. Ouais, 44-69. Ouais, il fait très beau en plus. Donc voilà, nous sommes partis. Donc j'ai pas, oui, j'ai pas tout expliqué. Donc on va aller donc au petit village de la Vallée Charmante. On va retourner là-bas parce que on avait vu un message comme quoi il y avait une cache. Donc on est prêt à être déçu une nouvelle fois. Au passage, pour l'élan, je l'avais coupé. J'avais coupé beaucoup de parties de l'élan. Il restait genre 4 boyaux et genre 7 kilos de viande. Et il a disparu en une nuit. C'était un peu étrange, mais bon. C'est un peu bête. Mais bah, bon, voilà. Donc j'ai perdu pas mal de choses dessus au final. Enfin bref. Et après, une fois qu'on aura fait notre petite pause au village, je crois que c'est plus loin. Hein. Une fois qu'on aura fait notre petite pause au village, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'autoroute côtière. Voilà. Alors, je vais être honnête. Je voudrais bien déjà avoir, en fait, les rajouts qui sont censés rajouter pour la prochaine mise à jour. Je vais être franc, je voudrais déjà avoir ça et je voudrais pas trop avancer sans avoir ça en fait. Je vais être honnête. Mais il faut que je fasse avancer ma série aussi, parce que les gens attendent et tout ça. Hein, surtout que ceux qui le voient en premier, si j'arrête de. Genre si les gens qui ont pris. Qui sont membres en fait de la chaîne, ceux qui voient les épisodes en premier, faut être niveau 2. Ah, si je poste plus des épisodes, ça sert strictement à rien de pouvoir les voir en premier s'il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai envie de continuer à en faire. Puis en plus ça m'amuse, hein, de toute façon. Donc faut que j'en fasse. Mais c'est vrai que avancer sans avoir tout ce qui est dit dans leur mise à jour, c'est relou. Parce que bah ça devient plus ouais, une saison comme les autres, j'ai envie de dire. Il y a très peu de nouveautés pour le moment. Surtout que bon, la nouvelle zone était bof. Donc ouais, donc je pense que l'autoroute côtière en fait est pas mal dans le sens où elle va nous prendre un petit moment à faire. Il y a quand même. En fait, c'est pas qu'elle est grande ou quoi que ce soit, l'autoroute côtière, mais c'est qu'il y a énormément de bâtiments. Et on va pouvoir genre farmer, c'est-à-dire genre récupérer plein de tissus, parce qu'il y a énormément de bâtiments, il y a des rideaux partout. On va pouvoir récupérer plein de bois, parce qu'il y a plein de bois de récupération surtout. Il y a plein de ça à récupérer. On va pouvoir faire des. Bah théoriquement on devrait trouver beaucoup de nourriture. On devrait trouver beaucoup d'objets en tout genre. Ou des vêtements. Ou des trucs comme ça. Donc je pense que c'est une très bonne zone pour ça. En fait, pour passer notre temps là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est utile. Et dans un sens, c'est une zone assez intéressante. Parce qu'il y a aussi il y a des loups, il y a des ours, il y a un élan. Enfin voilà, il y a tout. Hein, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des lapins et tout ça. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Donc du coup, c'est une bonne zone. C'est une bonne zone. Et bien sûr, j'espère que pendant qu'on passe notre temps là-bas. Du coup, la mise à jour arrivera et ils nous mettront la radio et tout ça, là, tout ce qu'ils nous ont promis. Donc voilà, ça serait bien, ça serait vraiment bien. Moi, c'est ce que j'espère en tout cas. C'est pour ça que j'essaye de timer en fait mon avancée par rapport à ce qu'ils nous ont promis. En théorie, là, je suis en train de faire la vidéo, donc on est en début mars. On est le 2 exactement, pendant que je fais cet épisode. Et je crois bien que c'est en mars qu'ils devraient rajouter. Enfin, en fin mars, le problème, c'est que c'est en fin mars, je crois bien. C'est le moment où ils devraient nous rajouter la radio et les nouvelles choses. Ça va prendre du temps encore, mais bon, voilà. Donc en théorie, si ça se passe bien.
Nous, on devrait avoir les nouveautés. Enfin, moi, je devrais avoir les nouveautés pendant que... Enfin, nous, hein, vous pouvez vous regarder aussi. Pendant qu'on est à l'autoroute côtière. Et je pense que c'est très bien. Je vais faire une petite escale dans le bunker, là, voir ce que j'avais laissé. Parce que je sais que j'avais laissé des choses, mais honnêtement, je ne me rappelle plus de quoi. Donc voilà, je pense que les nouveautés qui arrivent pendant qu'on est à l'autoroute côtière, c'est bien. C'est une très bonne chose. Ok, jaune érable. Et aussi, un truc qui est bien, c'est qu'à chaque endroit, et ça je le conseille de le faire à chaque fois, hein, à chaque endroit que vous allez, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de renouveler votre équipement. C'est-à-dire que, par exemple, là, on vient de partir du Mont Timberwolf et de la cendre, là, le canyon des cendres et tout ça. On est reparti. Donc, le pied de biche, il est à 91%, c'est très bon. L'âge, elle est à 100%, le couteau, il est à 100%. On a un nécessaire de couture, on a notre sac à 100%, on a nos vêtements qui sont réparés, etc. Ça, c'est bien, parce que du coup, ça vous évite de devoir... trimballer du matos en fait pour recoudre ou pour réparer vos trucs. Donc ça c'est une très bonne chose de faire ça comme ça. Donc je le conseille largement. Chaque fois que vous devez quitter un endroit, une région, faites en sorte que tout votre équipement soit à 100%. Ça aide énormément. Donc là il y a des jeunes érables. Jeunes érables c'est pour quoi? C'est pour les faire des arcs. Ah, c'est pas vraiment très intéressant. Bon, on pourra en laisser là. Je vais peut-être en prendre un. Je vais en prendre un pour le mettre... Parce que je sais pas s'il y en a. Je pense qu'il y en a. Mais pour le mettre au petit village en bas, là. Où est-ce qu'on doit aller? J'ai un peu le nez pris. Je sais pas si ma voix elle est un peu bizarre. Je suis désolé. C'est comme ça. Défense immunitaire qui se sont fait la mal, hein, la vie qui va mal aussi, c'est la fin. Voilà, on arrive à la fin. Ça, c'est jamais extrême, c'est jamais extrême, j'aime bien. C'est comme... oh, je crois qu'il y a un truc qui s'est... Oui, voilà, ouais. Il y a un truc qui s'est caché derrière l'arbre. C'est un loup, ça, par contre. C'est comme... faire des vidéos avec des bons... des bons titres sur YouTube, c'est genre par exemple là en ce moment il y a Wulong, ça parle beaucoup de Wulong, et le mieux je crois, j'ai pensé à le faire hein, mais j'ai pensé à le faire mais je voulais faire un titre du genre Wulong, le jeu qui m'a fait regretter d'être né. Voilà, vraiment très extrême à chaque fois, très très extrême, parce que j'ai vu des titres genre ouais j'y arrive pas, le jeu est trop dur et tout machin, et puis c'est des conneries en plus, dans un sens que tu sais très bien que si tu joues un bon moment, tu vas y arriver. Surtout que Wulong, honnêtement, est nettement plus facile qu'un Nioh, par exemple. Comme Elden Ring est nettement plus facile qu'un Dark Souls, hein, faut l'avouer. Il est plus abordable. Enfin, non, ouais, plus facile, c'est peut-être le mauvais terme. Il est plus abordable, nettement plus abordable, si on met du temps Ah, il nous avait suivi l'enfant. Ah, la vache. Il nous avait suivi le loup. Enfin, bref. Et voilà. Et les titres qui disent « Ouais, moi, j'abandonne. J'y arrive pas, machin. » Et ça fait tellement de vues, des titres comme ça. C'est une horreur, quand même. Donc, ouais, je me suis dit, on peut faire peut-être un titre extrême, genre... genre, le jeu qui m'a fait regretter d'être né. Ou genre... j'ai dû effacer ma vie IRL tellement que le jeu m'a tué. Enfin, ouais, des trucs comme ça, vous voyez. C'est pas mal. Je trouve ça drôle à chaque fois. Mais bon, ça changera jamais, ça fait des vues. Eux, ils ont plus de vues que moi. Basta. C'est comme ça que ça se traduit. On va passer par le côté gauche. On va passer par le côté gauche parce que je sais qu'il y a un pont, je crois. Je crois qu'il y a un pont. Parce que là, j'ai pas envie de trop risquer ma peau. Bon, par contre, ce qui m'embête, c'est le loup qui traîne. On va un peu sprinter.
sprinter en descente, comme ça on gagne pas mal de vitesse. Je sais que là il y a une maison brûlée, mais je pense pas qu'il y ait quelque chose en fait. Surtout qu'il y avait le loup. Hein. J'ai pas vraiment envie de combattre. Donc ouais, j'espère que les rajouts là vont être intéressants en tout cas pour la radio et tout ça. Nous on sera donc à l'autoroute côtière avec de la chance. Du coup il faudrait retourner de l'autoroute côtière. Alors par contre ça c'est un peu embêtant parce que si vous prenez la carte du monde, nous on sera sur l'extrême droite. Et pour revenir genre par exemple au... Comment ça s'appelle? Au... À l'aéroport, il faut repartir à l'extrême gauche. Ah, donc oui, c'est un peu chiant. C'est juste ça le mauvais coup. Mais bon. On va se débrouiller. Comme j'ai dit, c'est pour ça que je voulais... Je voulais être prêt avec le sac. Avec la cuisine niveau 5 et tout ça. Comme ça, ça nous permet d'avoir le 5 kg en plus avec le sac. Ça nous permet d'avoir le 5 kg en plus parce qu'on est bien nourri et on peut continuer à se nourrir, etc. etc. Tout ça, c'est un plan, en fait, hein, évidemment. C'est un plan de pour rendre tout ce qu'on fait, en fait, facile. Enfin, agréable, plutôt, agréable. Il y a pas mal de loups sur notre droite, apparemment. Le chemin risque d'être un peu long, par contre. Hein, parce que là, je suis en train de passer par l'extérieur. En fait, là, on est en train de prendre la route qui mène au pont, qui mène à la ville, si je dis pas de bêtises. Donc, elle est pas directe. Mais bon, c'est un bon moyen de pas se perdre et... d'être tranquille en fait. Alors peut-être qu'il y a des grottes quelque part, je suis pas trop sûr. Et aussi vous courez extrêmement vite sur sur la route elle-même. Ça aussi c'est une bonne chose à savoir. Ça, je crois que c'était un endroit où il y avait une grotte. Je sais pas si c'est la grotte, elles sont là ou elles sont en bas, en fait. Parce que là, on est au-dessus d'une petite montagne, en fait. Cabane délabrée. On commence à avoir froid. Oh, let's go! Toujours garder l'arc, parce que... Ici, c'est pas... Genre, t'es du mauvais côté de la cité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Un peu dangereux. Des gros balèzes avec des patasses la taille de ma tête. Donc, faut faire gaffe. Bon, par contre, on va peut-être un peu sprinter parce que... Enfin, après on va pas trop perdre en vie, ça va. Oh là-bas il y a des loups. Est-ce qu'il y a une grotte là? Là-bas il y a des loups. Un corbeau. Ils font que passer ou... Ouais ils font que passer. Okay. Il y avait aussi une chose, je suis allé regarder un peu sur internet par rapport à ce que font les gens en intrus pour les vêtements. Parce que j'avais envie, encore une fois, j'avais envie de crafter le manteau avec la peau d'élan. Donc c'est une... Hop, oh, putain de merde. Ça m'a fait peur ce con. C'est une cape en fait. Ah, tiens, on va le perdre comme ça. C'est une cape en fait. Très bien. Ah oh, tiens, on a chaud dans la voiture, très bien. La cape de l'élan, bah du coup je peux vous la montrer en fait. Du coup, parce que vu qu'on a chaud, tant mieux.
Donc ça, en fait, j'avais envie de la faire, la cape en fourrure. Le chien est en train de nous passer à côté de toute façon, donc faut attendre qu'il parte. Et je me suis dit, c'est vrai que c'est quand même vachement bien. 90% de résistance à l'humidité. Tais-toi, je suis en train de parler. 20% de défense, extrêmement bon. À peine moins 10% de sprint, alors que l'ours est moins 20. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vachement bien, en fait. C'est vachement bien. Mais encore une fois, eh ben, on en revient au même. C'est que c'est seulement 3,5 au lieu de 6. Et tout le monde dit pareil, hein, sur Internet, que ça sert à rien au final. C'est bête, hein, mais ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Parce que pourquoi faire ça si on peut faire un truc d'ours, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais. Ah, par contre, ah bah tiens, il commence à faire froid. Bon, on va devoir partir. Voilà. Ah, attends, je peux lui faire peur comme ça? Bouh! Alors, on va peut-être. Enfin, j'ai pas de bois. Enfin, je vais avoir froid. Je sais qu'il y a des choses à aller récupérer. Enfin, potentiellement. Ouais, voilà. Donc, par contre, on va commencer à avoir un peu froid. Alors. L'herbe. Je crois que c'est tout. Bon, bah, j'ai rien dit, c'est une perte de temps. À la limite, le flair, ouais. Bon, allez, maintenant on s'arrête plus. On rentre au village. Ah, il vient vers nous, évidemment. Il était un peu dangereux parce qu'il y avait des dunes, c'est pour ça que je me reculais en même temps. J'ai pas récupéré de bois sur le chemin, donc on va tout simplement tracer. Sinon, je me serais arrêté pour faire un feu. Me fatigue un peu, mais faut qu'on avance. Alors, je crois que ça, c'est le chemin pour aller à l'autoroute côtière. No trespassing, mining road. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que nous, on va passer par la mine, en fait. Pour aller à l'autoroute côtière. Et du coup, ce qui est, on va arriver. Attends, j'ai vu un truc sur ma droite. M'étonnerait. Je croyais voir un objet noir, en fait. Je crois que c'était un ours ou un truc comme ça. Enfin bref. Attendez, on peut peut-être couper, non? On peut peut-être couper au lieu d'aller là-bas. Et du coup, on va passer par la mine et on va tomber en fait en plein milieu de l'autoroute côtière. Au lieu d'être sur l'extrême gauche en fait de la carte, de la région. Ça, c'est quand vous venez de. Quand vous venez. Du lac Mystère, je crois bien. Vous arrivez. Vous passez par les chemins, on va dire, les plus logiques. Et vous arrivez sur le côté gauche de la région de l'autoroute côtière. Mais nous, là, on va arriver en plein milieu, en fait. Bah, du coup, c'est plus proche du camp qu'on veut voir, où on veut être. Donc ça, c'est sympa. C'est une bonne chose. On va revenir dans la maison du maire, ou là, je sais pas quoi, là. Faire attention, il y a peut-être un loup qui se balade.
passer par l'arrière. Très bien, on est bon. On est bon, on est bon. Alors, on en peut taper, ça marche. Très bien, donc on avait l'excès quoi? Des peaux séchées, du cuir, du tissu. Une scie à 90%. Pied de biche. Salumette. Ça c'est combien? 100%. Là il y a combien de 12. Ok, très bon, très très bon. Alors, c'était pas au piano qu'il fallait regarder. Non, ça on l'avait. Okay. C'était pas piano? Genre, il y a un truc secret au piano? Je sais pas du... Attends. Il y a un truc secret au piano? Non, plutôt. Non, c'était pas le piano. Je me rappelle plus. Non. Pupitre? La mince. Ah ouais, non, mais je vais lutter pour retrouver le message, moi. Page de journal, mémo. Mais merde alors. Oh mais super, c'est ça. Les... Est-ce que c'est là les... Bien que... Réserve de souvenirs. Ah non, 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 non. C'est pas le centre. C'est l'église. Ok. Donc on voit que c'est écrit là. C'est l'église. D'accord, ça marche. Donc on voit, ouais, on voit qu'ils le mettent sur la carte et ça disparaît pas. Ok, très bien. Ah, le bruit. Ah oui, c'est vrai qu'on avait tout ça. Ah, c'est quoi? Ours, gibier. Ah, ça va. On en a des ressources. Il y a juste de l'eau qui manque, mais on a deux faitous. Ça va, on a deux photos. Maintenant, les capots de voiture restent ouverts, si vous avez remarqué. Avant, ils se fermaient automatiquement. Et en parlant du... Je vais être honnête, hein, en parlant du rajout avec la radio et tout, j'ai tellement peur que rien ne marche. J'ai tellement peur qu'on perde notre sauvegarde et tout, que genre il n'y ait rien, qu'on doive relancer une survie et tout. Si jamais il y a ça, je sais pas quoi faire. Honnêtement, je sais pas quoi faire. Planche non fixée. Allez, vas-y. Bon, un stimulant d'urgence, c'est bien, qui est invisible. Stimulant d'urgence, c'est bien, c'est invisible. Stimulant d'urgence, j'aime bien, c'est invisible. Un adjectif, on s'en fout. Ok. Ouais. Bon, ben, ouais, des stimulants d'urgence, quoi. Ça sert un peu à rien d'en avoir 50, mais bon, ouais, non. Ouais, je suis... Ouais, dans un sens, je peux pas dire que je suis déçu, parce que je m'attendais à rien, mais... Un peu quand même.
Alors, qu'est-ce qu'il faisait ça, le... C'était un padre? C'était un père? Enfin, un père, un curé? Genre, il avait tout plein de stimulants. Bizarre, ça, quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait aller récupérer un peu du bois. Parce qu'honnêtement, on est quoi? Est-ce qu'on peut... Genre, dormir et partir à la vallée? Pas la vallée, là. Machin, là. À l'autoroute. Enfin, c'est pas très loin, l'autoroute, honnêtement. Je pense qu'on peut faire le chemin. Et genre finir notre épisode là-bas. Ouais, on va regarder une seconde. On va mettre ça là. Ça sera notre... Est-ce qu'on l'a lu celui-là? Non, on l'a pas lu. La couture facile, 5 heures. Je veux bien le lire. Je veux bien le lire. Mais ça, c'est utile. Ouais, non, j'ai pas eu le temps. Ouais. Non, ça, je veux bien le lire. Ça, c'est important. Alors. Ça. Très bien. Il y avait de l'eau. Je crois qu'il y avait un peu d'eau, hein, par terre. Alors, fais voir. Est-ce que j'ai pris tout le tissu? Non, j'ai pas pris le tissu. Qu'est-ce qu'on peut poser, laisser, ou alors, genre, crafter, réparer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'il n'y a rien à réparer, crafter, machin. Ça, on peut le jeter. Qu'est-ce qu'on va faire avec les... Avec les stimulants? On peut en laisser deux. Parce que je crois que j'en ai pas là, à cet endroit-là. On peut en laisser deux, en prendre trois. Comme ça, on pourra en laisser à l'autoroute côtière. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Par contre, il est... Oui, le lit est là. Je vais encore un peu me fatiguer, histoire d'être bien proche. Pour qu'on parte. Je vais voir un peu. Quand même assez fatigué. On va dormir 10 heures et on va peut-être encore dormir un petit bout, histoire de vraiment être à fond. On finira peut-être le livre là-bas. Je le prends avec moi, le livre. Ok, très bien. Waouh, ok. Pas très joli. On va peut-être finir le livre ici. Et après, on va se casser. Mange. Ouais, on va finir le livre ici, après on se casse. Très bien. Encore une fois, je crois que j'ai jamais eu la couture niveau 5. J'ai jamais eu la couture niveau 5. Parce que je lis, en théorie. Enfin, pas en théorie. D'habitude, je lis jamais les livres. Et du coup, bah, en fait, on fait jamais assez de réparations. On n'a jamais besoin de faire assez de réparations pour monter au niveau 5, en fait. Le nécessaire de couture, je sais pas. Ouais, non, le nécessaire de couture, on va le laisser. C'est pas très grave. Donc, j'ai mis deux stimulants, le livre, l'eau. Ah, c'est quoi ça, une bouteille d'eau? On va peut-être prendre le faitout par contre. Ouais, on va peut-être prendre le faitout. Celui-là, on le laisse. Celui-là, on le laisse. Parce que je sais pas si on va en avoir là-bas. Enfin, en théorie, on devra en trouver un ou deux.
écran minimum. La fusée. La fusée, ça va, on peut la garder parce que de toute façon, on n'a pas, c'est pas très lourd. La fourrure d'ours. Est-ce qu'on en a besoin? Pas vraiment, honnêtement. Nos vêtements sont très bonne qualité. On a réparé. J'essaye de réfléchir très vite pour qu'on parte assez vite. Manteau, nickel. Le sac de couchage, il est nickel, donc on n'a pas besoin de la peau d'ours. La peau de serre. 86%. Non, ça peut encore tenir. Non, ça va. Le tissu, on va les laisser. Enfin, quoi que. Voilà, 10 minutes. Juste histoire de prendre des tissus, vite fait. De toute façon, dans la rivière la rivière charmante. L'autoroute côtière. Non. On devra en avoir plein des trucs. Je vais manquer d'eau sur le chemin, peut-être. Enfin, non, enfin, honnêtement, c'est pas très long le chemin, ça va. On va faire ça. Ok, très bon. On va prendre deux morceaux de viande et on se casse. Attendez, on va peut-être dormir une heure, histoire de. Ok, on y va. Donc là, on a le fait-tout. Une fusée en plus. Mais bon. Et bien sûr, les stimulants. Oh, let's go. Donc là, il faut. Alors, repasser par la gauche, je me rappelle. Et je crois. Et après, revenir sur où j'ai dit là. Alors, ça, viande d'ours cuite. On est encore un peu chanceux niveau temps, il fait pas très froid. Honnêtement, je sais que ça a l'air un peu con, mais je pense que le. Comment ça s'appelle? Le cache-oreille, il marche bien. Dans le sens où il nous fait passer un tiers au-dessus pour la protection du froid, je crois. Et du coup, ça marche très bien. Si vous avez remarqué. Alors. Je vais dire un truc très con. Plus il fait froid, plus ça descend vite, hein, votre barre. Oh lol, c'est. Waouh, étonnant, hein. Je sais. Mais. On dirait qu'il y a des. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Genre, il y a des certains tiers, on va dire. Genre, si on dépasse, par exemple, les moins 30, un truc comme ça, la barre descend extrêmement vite. Si vous. Mais que vous soyez à moins 30 ou moins 150 000, je crois que c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que. Et après, c'est pareil, en fait, dans le sens inverse. Si vous atteignez un certain degré, vous allez avoir plus. Enfin, votre barre va descendre plus vite, j'ai l'impression. Alors que si vous êtes juste un degré au-dessus, même s'il fait genre moins 20, et ben elle va quand même descendre beaucoup moins vite, j'ai remarqué. Donc là, j'ai l'impression. En fait, je crois que c'est géré par le nombre de flèches en fait, qu'on voit vers le bas. Donc, mais je crois que j'ai l'impression que c'est codé comme ça, en fait. Genre là, ça descend lentement. C'est bien. Alors qu'on a zéro buff. Ah bah tiens, en parlant de buff, c'est comme le buff du thé et tout ça, là. Le buff de chaleur. Quand vous l'avez, même si vous avez trois flèches vers le bas, ça descend extrêmement doucement. Ça aussi, c'est une preuve que ouais, ça doit marcher comme ça, en fait. Donc ça, c'est vachement intéressant. Bah, on devrait être bon. On va peut-être un peu sprinter. Attendez, je vais me mettre à l'abri à l'arbre. Est-ce qu'on a besoin de boire et comme ça on peut peut-être descendre en dessous des 45. Non, ça m'étonnerait. Enfin, pas encore. Presque, mais pas encore. Donc ouais, moi honnêtement, j'attends même pas la radio. Vraiment, je m'en fous un peu. Parce que, encore une fois, on est en intrus. Pour nous, les caches secrètes qui vont être rajoutées, enfin, s'ils en rajoutent, ça va sûrement pas être intéressant du tout pour nous. Oh, waouh, putain, non, pas de vent. Pas de vent qui souffle de ce côté-là, en plus, t'es sérieux.
Enfin bref. Donc comme je dis, pour nous, ça va pas être intéressant. Parce qu'on peut pas avoir la plupart du temps les choses qu'ils vont nous rajouter. Donc c'est pas utile. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le travois. Vraiment, ce qu'ils vont faire avec. J'aimerais, j'espère que ça sera un truc customisable et tout. Hein. Je veux pas que ça soit juste un truc à crafter, puis basta. Moi, je veux que ça soit genre une partie de nous. Genre que ça soit vraiment un truc customisable, qu'on puisse rajouter des trucs au fur et à mesure. Un peu comme, pour ceux qui connaissent Death Stranding, le sac de Sam dans Death Stranding. Vous pouvez lui rajouter des choses. C'est tout con, mais c'est tellement bien pour un joueur, en fait, de customiser ces trucs-là. Vous pouvez rajouter des sacs à grenades pour transporter plus de grenades, des sacs de munitions pour plus de munitions, des soins, etc. Moi, je veux qu'on puisse faire ça, en fait, sur le travois. Genre qu'il y ait le travois en lui-même, et après, genre, une quinzaine d'upgrades à mettre dessus, si vous voulez. Après, bien sûr, avec une limite, hein, faut pas que ça soit pété non plus, le machin, mais ça, ça serait super top. Ça serait super top. Honnêtement, ce serait vraiment cool. Genre pour quelqu'un qui veut chasser, récupérer des pots, et ben vous mettez, je sais pas, genre un système de rack que vous pouvez mettre dessus. Vous pouvez entreposer les pots et ça prend pas de poids par exemple. Ou alors elles peuvent sécher sur le travois directement. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc comme ça, ça pourrait être cool. Pour ceux qui veulent transporter énormément de choses, vous faites des sacs en plus supplémentaires. Genre le travois peut transporter genre 50 kilos, vous voyez? J'ai que des trucs comme ça en fait, ce serait trop bien, ce serait vraiment trop bien. Mais j'ai peur qu'ils le font, ils vont pas faire ça, mais bon, ce serait vraiment cool. Donc voilà, moi c'est un des objets que j'attends. Et surtout c'est le... comment ça s'appelle le truc qui tient les boissons au chaud là? Oh putain, c'est un nom tout con, en plus j'ai oublié. C'est ma mémoire qui... C'est la vieillesse, ne vieillissez pas les jeunes. Un réchaud? Non, pas le réchaud. Si? Non, pas un réchaud. Un thermos, voilà, un thermos. Ça aussi, ça m'intéresse vachement. Parce que si jamais il faut en sorte que ça soit libre et qu'on puisse mettre tout et n'importe quoi dedans, ça va être top. Ça va être vraiment top. Si vous vous rappelez des mods que j'avais utilisés dans une des... Je parle beaucoup hein, pendant cet épisode. Hein. J'avoue que je parle énormément. Mais bon. Quand on est sur le chemin, il faut bien parler de quelque chose. Si vous rappelez de certains mods, avec lesquels que j'ai utilisé... Alors, attendez. Ça. Certains mods que j'ai utilisés à la saison 4, je crois, ou 6. Ça en prend. Du charbon. 4 ou 6, je sais plus exactement. Il y avait des mods, en fait, super intéressants par rapport à l'eau. Où en fait vous aviez des containers d'eau, genre il fallait trouver des bouteilles d'eau, ou alors après vous pouviez crafter une gourde et vous deviez en fait la remplir en fait cette gourde. Attendez, ouais non, okay, on va d'abord de l'autre côté. Vous pouviez en fait remplir cette gourde d'eau, donc c'était vachement intéressant en fait ce système, parce que là on crée des bouteilles d'eau en fait par magie, hein, on est d'accord. Et du coup, j'espère vraiment que s'ils rajoutent le thermos, que ça marche comme ça. On puisse genre mettre n'importe quel type de liquide, même de l'eau hein, si on veut. Oh yes. Très bien. Je crois qu'on peut directement descendre par là en fait. On va prendre un peu de charbon. Je pense pas qu'il y ait des choses sous les escaliers, honnêtement. Et du coup, moi, je veux vraiment un truc qu'on puisse mettre, pas que... genre le truc banal, café, par exemple. Moi, je veux pas qu'on mette ça, parce que le café, c'est super rare. Rien du tout. C'est super rare, et j'ai pas envie d'en crafter, juste pour en crafter, quoi. Et... moi, je veux pouvoir mettre des tisanes dedans. Je veux pouvoir mettre du thé, des trucs comme ça. Et qui reste chaud pendant genre 4 fois son temps normal, quoi, par exemple. Et ça, ça va être vachement bien. Ce système-là, ça va être vachement, vachement bien. Mais encore une fois, faut pas se louper. Mais je vais être, je vais être franc. J'ai pas regardé les mods en ce moment. S'ils ont été mis à jour, s'il y en a des nouveaux et tout ça. J'ai pas regardé du tout.
Si jamais... Oups. Si jamais ce qui nous rajoute c'est nul, je vais être franc. Tiens, survie à la nature, ça c'est quoi pour faire des petits feux? Si jamais c'est vraiment nul, que genre le travois il sert strictement à rien, si le thermos ça sert strictement à rien, que ça soit comme ça, je vais aller regarder des mods. Si jamais il n'y a pas des gens qui ont. Genre qui améliorent en fait ça. On va le prendre aussi. Par contre, on doit être un peu loin à 50 kilos. Ouais, faire gaffe. Honnêtement, je vais regarder dans les mods et on jouera avec un jeu modé. Parce que j'en attends beaucoup. Mais surtout, en fait, pour le bienfait de la série, des vidéos, faut aussi que ça change. Parce que, bon, si vous regardez la saison 1 et à la saison 7, on fait toujours la même chose. Enfin, ou 8 même. Si on fait toujours la même chose, c'est pas intéressant à regarder. C'est pas fun. C'est même pas fun pour moi pour jouer, parce que je fais exactement la même chose depuis genre 5 ans. C'est con, c'est nul. Là, ça doit être la sortie, mais on va voir là s'il n'y a pas quelque chose. Ah non, 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 la sortie elle est là, à droite. Vous voyez, donc j'irai voir les mods honnêtement. Cool, une lampe. Donc ouais, ça je le dis, je le ferai. Si jamais c'est vraiment nul et qu'il y a des mods intéressants, j'utiliserai des mods. Parce que j'ai vraiment peur de ce qu'ils vont faire. J'ai vraiment peur. J'ai peur que ça soit vraiment minimal en fait le changement par rapport aux nouveaux objets. Ou alors limite inutile. Vraiment, vraiment peur de ça. Faut regarder derrière les caisses et tout ça, et en dessous des étagères, hein, si jamais y a des choses. Après, je dirais bien que, bon, si vous voulez passer du temps, genre casser les caisses, mais bon. C'est pas très très... Enfin, ça prend du temps, c'est chiant. Ah, je crois que c'est là la sortie. Ah, mais ça va servir ça va au même chemin. Bon, par contre, si vous voulez du charbon, c'est une bonne zone. Ah, un truc bien aussi, c'est qu'on va pouvoir. Parce que à côté de l'autoroute côtière, il y a une autre zone que j'ai oublié le nom. Où vous pouvez aller crafter, il y a une forge. Donc vous pouvez genre récupérer du charbon ici et après y aller. Ça, c'est pas mal aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le charbon en fait à la sortie, le déposer. Comme ça, si jamais on veut vraiment aller crafter des outils, bah on peut prendre le charbon qui est ici. Ça, c'est une très bonne chose aussi à faire. Très bien. Nickel. Je pense que je vais devoir pêcher. Pêcher à cet endroit. Enfin, je vais aussi passer un moment, je pense. Je sais pas si je ferai une vidéo dessus. Peut-être que je ferai une vidéo dessus sur la pêche pour vous montrer. Parce que j'aime bien, en fait, genre montrer au moins une fois chaque chose qu'on fait. Parce que sinon, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Si je montre rien. Voilà, là, on va déjà éteindre ça. Voilà, très bien. Mais du coup, mais après, voilà, je le montrerai sûrement une fois, comme j'ai dit. Ah, et puis après, je farmerai de mon côté parce que c'est très long et chiant. Mais bon, il faut que je le montre quand même. C'est comme vous savez, les caches avec les cailloux là. Je vous ai dit que c'était nul, mais j'en ai fait une quand même pour vous montrer comment ça fonctionnait. Parce que voilà, il faut quand même que je montre les choses. Il y a des trucs à récupérer dehors. Ouais. Si on se protège du vent, on a chaud. Vous voyez qu'on a des bons vêtements. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais, continuer le long de la route.
En théorie, on va tomber sur une tour. Et la tour, ça nous permet de nous reposer et tout ça. Va un peu. Facteur vent 19 et on subit que moins 5. Là, vous voyez, je pourrais mettre le cache-oreille à l'extérieur. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai pas envie de le perdre parce que c'est quand même méga rare. C'est combien? Ah non, on gagne un degré. Non, honnêtement, je suis content avec le cache-oreille. J'ai vraiment pas envie de le perdre. Je sais plus si c'est là la tour ou plus loin. C'est là? Je crois que c'est plus loin. Un truc qu'on peut faire, c'est prendre un peu de bois aussi. Oui, c'est plus loin. Parce que là, on est à 48 kilos, ça va. Voilà, j'ai beaucoup parlé hein, cet épisode, mais bon, c'est des choses que, voilà, des fois qu'il faut que je partage un peu par rapport à comment va avancer la série. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent « Ah, faudrait que tu montres vraiment tout ce que tu fais et tout ça ». Je l'ai fait pendant déjà des années, mais le truc c'est que il y a des choses vraiment qui sont pas intéressantes. On tourne en rond très vite en fait. C'est pour ça que je fais des coupures. Ah, vous avez vu, on a... Attends, je crois que ça c'est pas un élan et c'est pas un ours. Oui, voilà, ouais, bien ce que je pensais. Je commence à m'habituer à leur son. Vous avez vu, on a chaud. On a 3 degrés. Nickel, hein. Nickel, nickel. Alors je crois que c'est par là. Je me rappelle. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est là. Donc on peut chasser si on veut. On est tranquille. Alors, on va peut-être s'arrêter là. Ah, mais je sais pas si je peux me reposer. Faut que je crois qu'il y a un lit, mais je suis pas sûr. On va peut-être s'arrêter là, et après, pour le prochain épisode, on descendra et on commencera à faire notre petit tour de la... Ouais, là, il y a une corde à mettre. Si, je sais pas s'il y a une corde à l'intérieur, j'espère. Très bien. Après, niveau champignons et baies, il y en a aussi pas mal ici. Dans la zone, dans la région. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous voyez, ça va être pas mal ici. Ça va être bien. Est-ce qu'on peut dormir? Oui, on peut. Alors, the most violent storm always begins and ends in a whisper. I felt this place now because the last summer is coming. If you want to find me, I'm paddling across shattered ice to the Arctic sunset. Bon, ça va, on a compris, c'est un backer, on s'en fout. On s'en tape de sa vie. J'aurais pas dû prendre ça, ça sert à rien. Dépecer les animaux, on s'en fout un peu. Tada! On va faire ça. Boum! J'aurais dû dessiner là, mais j'avais peur que la tempête, en fait, ne s'arrête pas. Pour dessiner l'endroit de la mine, en fait. Ok, là, y a rien. Mais ouais, j'avais peur que la tempête ne s'arrête pas, donc c'est pour ça que j'ai préféré avancer. 0,26, ça c'est la nôtre, et celle qu'on a trouvée, elle est à 0,53. Très bien. On va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Parce que sinon, après, on va dépasser les 1 heure et tout ça. Parce qu'en fait, quand on va arriver, il y a plein de trucs à fouiller énormément. Si j'y arrive, je vais avoir envie de fouiller, en fait, directement. Donc, je préfère m'arrêter là, et on arrivera la prochaine fois. À notre camp, qui est vraiment pas loin, faut juste descendre. C'est nickel.
Et ouais, et du coup, on fera ça la prochaine fois et on commencera en fait notre petit chemin de maison en maison et tout ça. On va s'installer, ça veut dire que les habitants du moment, c'est-à-dire louer tout ça, on va devoir les faire partir, violemment évidemment. Et voilà, ça va bien se passer et on est tranquille. À la prochaine, je vais juste dormir 1 heure et le prochain épisode, on trace en bas. À la prochaine, ciao!